La rénovation de la façade du bâtiment Le Globe contribue au rafraîchissement architectural de la digue de mer. Ce projet souligne le caractère durable du béton. La structure existante est pourvue d'une nouvelle façade d'une durée de vie de 50 ans. Les travaux furent exécutés sans mettre en péril l'utilisation du bâtiment. La façade existante a été dénudée. La structure portante a été analysée en profondeur et renforcée là où c'était nécessaire. Le renforcement de la structure sert également de console à laquelle les nouvelles colonnes en béton architectonique sont suspendues. Les nouvelles colonnes reçoivent à leur tour les éléments horizontaux. Toutes les liaisons sont conçues de sorte à pouvoir remplir leur rôle pendant les 50 prochaines années dans un climat maritime agressif. La combinaison d'une couverture de béton importante et d'éléments préfabriqués et lancés a nécessité une modélisation 3D de l'armature pour éviter les conflits à hauteur des consoles lors de l'exécution. Les colonnes ont été fabriquées verticalement. Pour tous les éléments, un béton blanc autoplaçant a été utilisé. La texture spécifique de la face avant des éléments a été obtenue partiellement par un micro-lavage du béton pour les surfaces côté façade et partiellement par l'utilisation de béton coffré lisse sans joint pour les faces intégrées. Des senseurs intégrés ont déterminé le moment exact du lavage. Avec ce projet, l'industrie du béton préfabriqué montre qu'elle est prête à saisir les défis que le marché de la rénovation nous offrira dans les prochaines années.